Quand le stacanovisme te prend et que tes pulsions de stream sont plus fortes que toi. Troisième stream, là, on enchaîne. Bon, en fait, j'en profite pour faire toutes les petites démos que j'ai récupérées à droite à gauche, puis que j'ai pas encore essayé. Histoire de me faire de la place sur le disque dur en les dégageant une à une, vous avez bien compris la manip. Donc là, on va se faire Hear They Lie. Parcourir, info, acheter, retour, choisir. C'est bien une démo. Alors, Hear They Lie, qui est supposé un titre assez horrifique, si je me rappelle bien, que je confonds pas. On va regarder ça tout de suite, hein, ce sera plus simple. Adada. Ah, va falloir que je charge, chante une chanson. Vous y avez cru que c'était coupé. Hein. Eh oui. Non, mais ici, les effets spéciaux, je ne lésine pas. Alors, si vous avez des enfants, des chats, des hamsters et éventuellement des gens d'extrême droite, ben, remettez-les dans la cave, hein, parce qu'ils vont pas supporter ce qui va arriver. Oui, tu es mon maître, triangle. Donne tes ordres, triangle. Je suis à toi, tout à toi. Comme les écrans de changement, résolution, l'écran qui clignote, tout ça. On a l'impression d'être revenu à l'époque de la première PS1, quoi. C'est un truc de ouf. Tick, tock, 12 o'clock. Time to go to bed. Alors, je dirige mon bras avec ma tête, ce qui est somme toute logique, mais maintenant je suis entraîné à Doom, donc j'ai plus peur. Oh putain, du déplacement libre. Oh, I quasiment love you, dites donc. Alors, je peux quand même faire mes demi-tours comme ça, mes quarts de tour, voilà. Et le reste, quand même, c'est I'm free. Les commandes, c'est quoi, les enfants? Ouais, ça y est, je m'inquiète, je fais de l'abus dans le casque, ça commence. Calme-toi, c'est un jeu. Ah, maman, un rat. Ah, non, laisse allumer. Alors, je connais les deux touches pour éteindre la lumière. Les trois. Donc, les quatre touches du dessus de la manette servent quand même à éteindre la lumière au cas où j'oublierai laquelle c'est. Ce que je trouve très très sympathique comme attention. Ça a l'air charmant. Bon, les gâchettes pour l'instant ne font que dalle. Non, c'est rigolo, ils ont mis des déplacements tout smooth, tout doux. Parce que le jeu, je sais pas, c'est peut-être sa fréquence, j'en sais rien. Il est pas très agréable au point de vue sensation oreille interne. Pourtant, il va pas vite. Ah non. Bonjour. J'ai fini le jeu, je peux sortir? Comment ça, j'ai pas le droit? Ah, petite option, des fois qu'il me laisse la rotation libre. Ah, dommage, dommage, dommage. Bon les gars qui développaient en VR, rappelez-vous qu'il y a des gens qui sont prêts à souffrir et activer une rotation libre pour avoir quelque chose de sympatoche niveau immersion. Parce que là moi les à-coups. Salut. Attends-moi ami. Mais en plus moi je peux pas courir, t'as vu la vitesse? Enfin ami. Ami ou pas, hein. La résolution est assez pourrave. Alors, je sais pas si c'est la meilleure qu'on ait pu faire. Oh putain. Oh putain. Cours, Forest, cours. Tu ne feras rien. Tu vas juste mourir. Il est derrière! Putain, je fais super bien le mec affolé.
Je vais aller droit sur lui. La lumière. La lumière est ton ami. Donc nous avons là un scare game. Non, bah, je vais pas ouvrir cette porte finalement, tu vois. Parce que... Alors, est-ce que je peux ouvrir ça? Mon ami, si tu me le surlignes, c'est que je peux bien faire quelque chose avec. Je suis astigmate, moi. Bien. Eh ben, tu m'en mettras 3. Mais je vais prendre de la mayo, du ketchup, ça changera. Non, rien à ouvrir. Je suis déception, je suis... Porte verrouillée, je suis... Allons-y. Oh putain, t'as mangé quoi, toi? Jean-Pierre, je viens de trouver ce que c'était, les champis dans l'omelette aux champis. Hein? Non mais si. J'ai une bonne idée. Bonjour. Je viens pour la réunion des anonymes. On avait dit 17h, mais j'ai paumé ma montre. Et le téléphone passe pas dans votre réseau de merde, là. C'est quoi ce bordel? La femme de ménage était pas un peu en colère chez vous, dites donc? Non, parce que là, moi, pour passer en face, je fais comment? C'est quoi que je vois là? Oh, putain. Non, mais je vais pas vous déranger, les gars. Vous allez vous sentir bien entre vous. Puis un requin qui aurait des tendances à être marteau. Maman m'a toujours dit de faire attention. Bonjour, petit poisson. Ça va? T'es comme un requin dans l'eau? À part qu'il n'y a pas d'eau normalement, sinon je serais pas là à respirer. Mais enfin bon. Ok, on va admettre que... Ouais. Toi, je t'aime pas bien, toi, je t'ai à l'œil. Je te vois. Toi, sûr, je te vois, toi aussi. Tu passes à travers les cailloux. Tu as des problèmes avec ton script. Alors, là, je me rends à toute allure, hein, comme vous pouvez le voir, de l'autre côté du tableau. À toute berzingue. C'est l'expression qu'on va point nommer, quoi. On peut pas dire mieux. À la recherche d'un fusil lourd, ou encore mieux, d'un RPG, hein, vu que je suis relativement entraîné. Petite surprise derrière le rideau. Toc, toc, toc. Salut, c'est Gérard. Oui, je suis à la bourre aujourd'hui, je sais. Un petit coca. Petite barre chocolatée. Non, rien. Ce jeu est vraiment rabouin. Cette note me rappelle que... Allez, on y va. Hop. C'est normal. C'est totalement normal. Je crois qu'il y a un tapis de sang qui m'attend. Parce que ça, c'est pas du tissu, madame. Madame? Mais il est énorme, ce trou. Ouais, ça m'évitera de me payer un teinturier pour changer mes fringues en rouge. Salut. Je viens pour la réunion, on avait dit. Ah bah c'est tout à fait logique. Un coup tu passes, un coup je t'enferme. Alors le son est assez mal foutu parce que j'ai un super casque. Et niveau spatialisation, c'est un peu... Je vais vérifier ma prise. Et la spatialisation est un peu en carton, il me semble. Non, ça vient pas de ça.
tant pis pour moi. Alors, pourquoi il clignote tant ce truc si je peux rien faire dessus? En fait, ce que je vous ai pas dit, les gars, c'est que j'ai mangé avant de venir, donc c'est pas la peine de sortir les trucs apéro pour moi. Ça va bien se passer. Le sortir. Bon, écoute, ça va faire. Et surtout pas te déranger pendant ton barbecue. Donc je vais un peu rusher là-bas. Mais je rush paisible, pas remarqué. Salut. Non, pas le plus riche. C'est quoi ces gens qui veulent rouler des pelles alors qu'on se connaît même pas? Sometimes the darkness is there for a reason. Et ben voilà, c'était la petite démo de Here They Lie pour donner le goût sans savoir si le jeu en vaut la peine. Et je suis comme vous, je reste dubitatif donc, parce que oui, c'est pas mal fait, mais bon, les scare jump dans les jeux vidéo, c'est super fastoche à faire. Très honnêtement, je l'ai toujours dit, les développeurs, on leur laisserait le droit de faire ce qu'ils veulent, ça ferait longtemps qu'on aurait eu des arrêts cardiaques avec les jeux en VR. Donc, pour que ce jeu qui me semble assez ancien, je crois qu'il a plus d'un an, n'ait pas une grosse réputation sur le net, c'est qu'il doit être dispensable. Bien fait, ça j'en doute pas. Bah, j'espère énormément que la vitesse de déplacement n'est pas ce qu'on a vu dans ce petit démarrage. Voilà. Je finis ce stream et je vous en refais un derrière. Je ne sais pas ce qui a fait Gloing. Ah, dans exactement 2 minutes 43. Au moins.